26 juillet. Alors que la mousson empile ses nuages au-dessus des ruelles encombrées, je retrouve, avec plaisir, Katmandou, la braillarde, la chaotique. C'est là, avec notre équipe népalaise, que je complète les derniers préparatifs, que j'affronte les dernières tracasseries administratives avant notre grande traversée. Elle nous mènera, mes clients et moi, à Dunaï, 300 km plus à l'ouest. Au-delà du Manaslu, des Annapurna et des Dhaulagiri, aux hautes terres tibétaines du Dolpo et du Mustang, pour retrouver, après 23 jours de marche, Djomsom et la civilisation motorisée. Trois jours de marche ininterrompue pour franchir sans aucune aide mécanique 8 cols à plus de 5000 mètres, soit plus de 300 km de distance à une altitude moyenne de 4200 mètres. Oh, ce n'est pas un exploit, c'est juste le besoin d'aller encore un peu plus loin à la rencontre des cœurs purs. En attendant, après les potiers de Bhaktapur, et peut-être pour illustrer le mystère de la roue de la vie, j'emmène mes trekkers à Pashupatinath, sur les bords de la rivière sacrée Bagmati, qui emporte vers le Gange les cendres des défunts. J'ai hâte maintenant de retrouver le silence de ces hautes terres, de rejoindre Dunaï et mon équipe, le Sirdar, les porteurs, le cook, les kitchen boys, partis voilà déjà une semaine de Katmandou. Afin de nous préparer à cette immersion en terre tibétaine, aux horizons infinis des crêtes himalayennes, nous faisons peau neuve en effectuant l'indispensable kora autour de la grande stupa de Bodhinath. Ça va bien se passer. Croisez les doigts.
pilotes ont l'air calmes. C'est d'un pas léger que nous nous engageons dans les gorges menant au lac Foxundo, prenant soin de ne pas brûler les étapes afin de bien nous acclimater. Cette apparente légèreté, cette facilité, ne doivent pas cacher le travail et les efforts nécessaires pour réussir ce type de traversée. Il faut une sacrée organisation parce qu'on part quand même pour 25 jours en autonomie totale, parce qu'il est hors de question de s'approvisionner dans des villages qui sont très pauvres. Donc on est obligé de tout emmener du jour 1 au jour 25. Donc on a pris 8 porteurs qui viennent de Katmandou et qui font le trek entièrement avec nous et qui essentiellement portent nos bagages plus leurs propres bagages. Ben là, faut pas tomber là. Et voilà, ça passe. Mirgalai taakeko, mirgalai mai.
Not too cold? Oh no. Oh, it's okay. Okay, take care. Bye bye. Troubadour. No. So you're a good singer? Timi ramro gayaka re? No. No? Anyway, you're a good dancer. So tell me, timi le garirane kaam chha ke re? Kheti. Ha, kheti kisan. Tindra sarsari. Duira chhora, euta chhori. Ani budi. Budi euta. तिमी अगाडि पनि कुली गरेथे कि यो मात्रै अरे पहिलो चोटी कुली म पहिला गएको थियो कहाँ घोडे पानी के गएको थियो नि how many kilos he has on the shoulders अब 30-40 सम्म पुग्छ होला राम्रो बाटो हुँदैन सबैजना खुसी छ अरे यो ट्रेकिङमा पहिला हामी डोल्पा घुम्न आयो भनौँ न डोल्पा फोक्सुना ताल धन्यवाद Nous repartons vers Rigmau, désertés par ces jeunes hommes, partis en Chine avec leur yak, échangés à prix d'or leur Irasakumbo, le fameux champignon chenille, le Viagra de l'Himalaya. Ah. Namaste. En chemin, nous rencontrons une caravane de femmes, d'enfants et de vieillards partis à Chekompa, vers la Kora de la montagne sacrée. Les premiers pèlerins, les marchands, ont déjà installé leur tente au bord de la rivière, en vue du Ribodrugdra, le festival de la montagne de cristal. Il n'a lieu qu'une fois tous les 12 ans, l'année du dragon. Ah, t'as la forme ? Un pépère. What do you see? The money. Yeah. Oh, money. Yeah, he's here. Micro money is okay. Yeah. And this is natural or it's made natural, by man? Natural. Oh, it's a natural money. Yeah, natural money. Because without order, not see. Thank you.
150. Malgré l'altitude, les mules nous dépassent sans fatigue excessive. Chacune porte l'équivalent de 2 charges de porteur, 60 kilos. Originaires de la région de Dounaï, nos 2 jeunes muletiers, Dolpopa, sont propriétaires de 11 mules et mulets, en pleine santé. Leur seul bien. Elles sont bien adaptées au Dolpo. Leur seule limite, les pentes de neige ou de glace. Allez. Voilà. Bien bravo. Alors le muletier, c'est un métier sympa parce que tu portes pas grand chose. Par contre, tu passes ton temps à courir. Et quand tu veux le filmer, ben faut courir aussi. Alors on court. Yeah! Allez, bim! Ça, c'est un bon usage de piolet. Good morning, boss. Good morning, my friend. Good morning, man. How are you? Shyam Sundar Sherpa. My real name is Purba Gelsin Sherpa. Before I was Potro. Then we care the clients. They are sometimes fell down or sometimes headache. Or we will help with groups. Tissue another one. Pourtant que la montagne est belle. Ah. Yeah, you know where we go? Down, down, down. I think you have been a Sirdar as well. Also, but Sardar is to respect, no, to the responsible. Too much responsibility. Yeah, yeah. Because the Sherpas, where do you find them? In Khumbu Valley, in Makalu area? Where else? The Sherpa is everywhere. Everywhere now? Yeah. In New York?
Also. In Paris also. In Val d'Isère. Ouais. Before I was cook, then 6 years I think. 6 years? Five or six years. You were a good cook? I don't know. Well, I'll show you. But the client said, excellent. Okay. I don't know. And to be a Sherpa, you need a license? Sherpa is not. No. So you need this for Sirdar and for guide. Guide is not good. It's too big. What do you mean it's too big? I have not a French language. Saila, your uncle, he speaks very good French. Yeah. So you just have to learn with him? No, he is. What do you mean? Slapped. What do you mean slapped? If the one word is only one time, right? But my mind is not catch. So I'm asking another time, then slapped. Oh, yo, yo. Okay. Dorje, notre Sirdar, impeccable responsable de l'équipe locale. Indispensable interprète tibéto-népalais. Polyglotte, enfin presque. Dorje, can you explain me what is the work of a Sirdar? But this very hardly. Yeah? Yes. We starting very long. Because some good education they get easily, and without education, not so easy for us. Yes. But what is your job, Dorje? What are you doing? Oh, my job is okay. I'm certified for this job. You're satisfied? Yeah, yes. Il nous a fallu près de 2 semaines pour atteindre la vallée de Yangtze, à quelques kilomètres de la frontière chinoise. China. Déserté par les hommes pour cause de champignons miracles, le Haut-Dolpo semble être un royaume des enfants. Un royaume dont les monarques seraient Dawa Darzin et Titi Lamo, enfin. Dawa Darzin. Dawa Darzin. Dawa. Dawa Darzin. 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 Titi. Titi. Oh, Titi Lamo. Titi Lamo. Oh, yes. Yes.
Alors les terreurs. Chidale. Un royaume avec ses palais comme l'école de Figeor, financé par de riches occidentaux, américains, suisses, français. Crystal Mountain School, localisée à Tarabe dans la vallée de Do, est financée par Action Dolpo, une association française membre du CAF. Support. What do you want to become when you will be older? What do you want to become? Teacher. Teacher? You all want to become teacher? Pilot. Pilot? Who wants to be a pilot? What do you want to pilot? Planes or helicopter? Yes. Helicopter? Yeah, you're right. This is a good job. Very good. Like that, you will see the mountain from the top. Tu vas voir, baby. Tu vas voir, toi. Dans la vallée de Saldang. Un instituteur, issu de la Crystal Mountain School, nous donne une leçon de chant. Trop de parents d'Olpopa hésitent encore à envoyer leurs enfants dans ces écoles pourtant gratuites. What's your name? Poubalam. Oh? Poubalam. Poubalam. You go to school? No. Trop utile au village ou pour garder les troupeaux. Faute de moyens, plus d'école. Ça veut dire des enfants malades, l'hygiène qui recule. La misère médicale est omniprésente dans certaines vallées. Et chaque rencontre se traduit par une demande d'aide. Chidali. Elle est bonne, l'eau?
Et voilà Nati, le chef cook. My full name is Ngatem Basherpa. Nati? Nati, short name. Yes. My full name is Ngatem Basherpa. Nati Basherpa. Ngatem Basherpa. Yeah, because you are Sherpa. Sherpa, yes. I'm working from 95. Before I'm starting porter. Porter. Kitchen boy. Kitchen boy. 4 years. 4 years. Porter and cook. In this trekking, you had 4 kitchen boy. Yeah, we have 4. Yeah. Yeah. And how many kilos of food did you bring? Totally, only 400. 400 kilos. Yeah, total. So of food. Yeah, that's more, yeah. That's a lot. Yeah. Yeah, because you could not buy very much on the way. Yeah, otherwise only this region is a little difficult. Yes. We don't get vegetables. Yes. We don't get potato. Yeah. All I bought onion, potato, all I bought Kathmandu. Kitchen equipment total as 120. Yeah, 30, one people 30 kilos carries. Okay, so everyone carries 30 kilos. So kitchen boy is a very difficult life because they have to carry as a porter. Yeah. Then when they arrive, they have to prepare the kitchen. Then they have to cook. Yeah. Then they have to clean. Clean. Yeah. So it's a tough job to be a kitchen boy. Very hard job. Yeah. Very hard kitchen job. Boys, yeah. The kitchen boys are very tired. No. Yes. They are very tired. Because they wanted to go very, very fast. And now they cannot do anything anymore. No. No? You are okay? It was good, huh? Yeah, very good. Good climb, nice. Huh? Nati, I understand that you have been working on expedition as well. Yes, many years many I years? Did expedition. Yeah. Totally 28 expedition, yeah. 28 expedition? Yeah. And sometimes I'm going to camp 2. Yeah? Camp oh. 2, yeah. That's high. Camp 2, yeah, 6,400 something. Okay, that's good. Camp 2. To cook or just to... To yeah, help. Cook. To cook as well. So you prefer trekking to expedition or you prefer expedition? Little easy as expedition. Expeditions are easy because... Expedition is one place, yeah. Yes, it's one place. You don't have to change every time. I like Volva. Yeah. This is good. Hey, you are slow this morning. Only is cooking little difficult, yeah. I bought potato 1 week after all that. Il est vrai que les Dolpopa se nourrissent essentiellement à partir des produits dérivés du yak, beurre, yaourt, lait, et de farine d'orge grillée, la tsampa, l'aliment de base du Tibet. À 5500 mètres et nous voilà au Mustang, d'où montent des caravanes de yaks chargées de vivres pour le festival de Chez.